l'histoire d'un homme qui par-dessus tout aimait les gens. Et il aimait tellement les gens qu'il passait la majorité de son temps à essayer de les rendre heureux. Il y mettait tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. À force de penser à ça tout le temps, un jour lui vint une histoire, une belle histoire. Et le lendemain, encore une autre, et le surlendemain, encore une autre. Chaque jour, il inventait des histoires, toutes plus belles les unes que les autres. Il y mettait tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Il finit par avoir une belle collection d'histoires. Il se dit que grâce à toutes ces histoires, peut-être qu'il pourrait rendre les gens heureux. Alors un jour il s'est décidé. Il est sorti de chez lui et il a été s'installer sur le banc qui était au centre de la place du village. Et il a commencé à raconter ses histoires à qui voulait bien les écouter. Il y mettait tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Je dois vous avouer que ça n'a pas été un grand succès. Au début, quelques personnes s'arrêtaient et très rapidement, plus personne l'écoutait. Mais lui, il s'installait tous les jours sur le même banc et il racontait les mêmes histoires. Il racontait ses histoires aux arbres. Il racontait ses histoires aux nuages. Il racontait ses histoires aux cailloux. Et il y mettait tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Ça pendant plusieurs mois. Il a continué comme ça pendant plusieurs années. Il s'installait tous les jours sur le même banc et racontait les mêmes histoires. Jusqu'au jour où un petit garçon s'est approché de lui. Il l'a regardé comme ça puis il lui a dit « Hé, toi là-haut, pourquoi tu racontes des histoires comme ça tout seul ?» Tu vois bien que personne t'écoute. C'est vrai, gamin. Personne m'écoute. Mais tu vois, moi, j'ai commencé à raconter des histoires il y a bien longtemps. Je pensais que grâce à ces histoires, je pourrais changer le monde. Changer le monde, lui a dit le gamin. Mais tu vois bien que le monde, il a pas changé. Alors pourquoi tu continues à raconter ? Ça c'est vrai gamin, le monde il a pas changé. Mais tu vois, si moi je continue de raconter des histoires, que je continuerai de raconter des histoires jusqu'à ma mort, c'est pour continuer à rêver gamin. Et si je continue à rêver gamin, c'est pour que le monde lui, il ne me change pas. Alors continue à rêver gamin, pour que le monde lui, il ne te change pas. On va tous continuer à rêver. Pour que le monde, il ne nous change pas. Avec tout notre cœur, tout ce que nous avons de meilleur. Tout notre cœur, tout ce que nous avons de meilleur.